enregistrement. Bonjour la VOD. D'ailleurs, au moment où je recorde ça, les deux épisodes précédents ne sont pas encore sortis, mais vous inquiétez pas, ils sont upload. J'ai juste à sortir, à faire les miniatures et à sortir les vidéos et c'est bon. Pas d'inquiétude là-dessus. En tout cas, en cette petite matinée sympathique, on va pouvoir avancer. Bah écoute, ouais, on a pas mal joué hier surtout. Et dimanche soir. Donc, quatre étoiles, qu'est-ce qui nous manque? En vrai, il nous manque pas grand-chose. Et je pense que c'est des trucs que je vais faire en off ou tout à l'heure. Ah, on n'a pas fait le puqué-puqué, c'est vrai qu'on n'a pas fait le puqué-puqué. Donc on va faire le puqué-puqué quand même. On va faire le puqué-puqué, comme ça on se réveille tranquillement. On va revoir notre pote le puqué-puqué. Et ensuite, on passera à la suite, comme on dit. C'est parti. Ah ouais, le piqué-piqué, il est trop bien. En plus, j'ai encore faim. Le gosier glouton. Le piqué-piqué. Bon, c'est pas le monstre le plus compliqué du monde, mais on l'a pas fait dans cet opus-là, du coup, bah on le fait, hein. C'est une règle. Mais avant d'aller faire le puqué-puqué, on va aller voir le sud de la carte, parce que j'y suis pas allé encore. Et il me semble que c'est là où il y a la pyramide. Oui, elle est là, regardez. La pyramide. Pyramide où je ne suis pas allé encore. Et je voyais Aranok justement dessus hier sur le stream d'Ultia. Et c'est vrai que je me suis dit, putain, c'est vrai que j'ai pas exploré encore toute cette zone-là. Donc on va le faire. Alors, par contre, comme ça risque d'être chiant. Moi j'ai bien poncé toutes les zones. Bah c'est les. Je crois que c'est la seule zone que j'ai pas terminé de regarder. Wouhou! Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les petits chats. Non, une tortaube. Avec une fourmilière sur son dos. Qui la protège des attaques fatales. D'accord. Et là, on retombe du coup en zone 3. D'accord. Petit chien. Petit chien. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose là-haut? Peut-être, mais. On va voir comment est-ce qu'on peut monter. Va être plus comme ça. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On peut pas passer par là? C'est cassé? Enfin, c'est cassé. C'est pas ouvert, c'est ça que vous me dites?
Peut-être au-dessus. Il va y avoir un passage. On monte. Non, même pas. Je te dis rien, tu te débrouilles. Ah bah yes. Donc peut-être un bon baril, non? Est-ce que il me faudrait un bon baril par hasard? Truc que je n'ai pas sur moi, du coup, on verra par la suite, mais c'est ce qui me semble logique. Ah, attendez, on a une entrée par là peut-être? Ah! Et là, on retombe en bas où il y avait les chats? Ouais. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Minerai de fer. Là, on a une archive, je vais aller la voir après. La chalite. On a là une archive. Ça, c'est fait. Et donc là, si je descends, logiquement, je retombe là où il y a les petits chats. Exactement. Exactement. Est-ce qu'on a une entrée quelque part d'autre? Bon, je pense que là j'ai pas l'item qu'il faut pour l'ouvrir, donc je repasserai plus tard. Merde. Je repasserai plus tard. Je regarde juste s'il y a potentiellement d'autres entrées. Ah là-bas peut-être. Merde. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah! C'est beau ici. Là aussi, il y a une fissure. Oh là, le chien, calme-toi. Ça m'a l'air d'être une zone importante, mais je vous avouer que j'ai aucune idée à quoi ça va servir. Du moins dans l'immédiat. On verra bien. Bon. Au moins on a exploré cette zone-là. On va pouvoir aller voir le Puké-Puké. Qui plus est dans une zone que je n'ai. Enfin, dans la dernière endroit de la zone que je n'ai pas checké. Donc pour la pyramide, hein, je verrai ça plus tard. Mettrai une bombe baril ou un truc comme ça, on verra. Ou alors juste faut avancer peut-être dans le jeu, je sais pas, je pense pas, pas sûr. Allons voir ce Puké-Puké. Le Puké-Puké. Ah bah non. Reviens. T'as pas le droit de faire ça quand je pars.
Oh. Tranquillou, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Merde. Il va me cracher dessus, non! Oh! Putain, il bouge dans tous les sens. Trop chiant. Stun. Oui. Ah. Il a esquivé. C'est fait. Ça, ce statut-là, il permet de faire tomber au moins un monstre direct. C'est pété. Le poison s'est surfait. Voilà. Eh, qu'est-ce que tu fais là, hein? Là, le lapin qui fait des bêtises, bougez pas. Elle bouge son tapis, non mais oh. Qui dit que c'était ton oncle tout à l'heure? C'est quoi ce lapin là? Bon, bah voilà, un Kepuki est rondement bien mené. Bon, c'est pas la même difficulté que les monstres qu'on va faire après, parce que là, on va aller faire un Zinogre. Ça, c'est une autre paire de manches. Déjà, le Rathalos, mine de rien, il est encore plus vénère que le Rathalos de World, que je trouvais, mine de rien, pas mal costaud, hein, pour le Rathalos qu'on avait l'habitude de battre. Au début, le Rathalos de World était plutôt costaud. Bah, celui-là, il a l'air d'avoir des moves du Rathalos argent qui sont du coup pas mal costauds aussi.
Je vais donner quelques granulés au lapin. 30 secondes. Voilà. Comme ça, il évitera de bouffer son tapis. Et ça, ça me fera du bien. Vraiment, quand j'aurai fini de faire le solo ou l'avancée comme ça, là, l'avancée dans le jeu, en let's play, à voir si je m'arrête juste sur le solo quête village ou si je fais aussi les quêtes multi. On verra bien. Et je mettrai bien une Coco Cam. Avec le lapin. Alors, on en est où? Quatre étoiles, est-ce qu'on a fait tous les monstres qu'on n'avait pas fait? Maintenant, oui. Donc là, il nous manque un pour faire une quête clé. Donc c'est soit le Mizutsune, soit le Zinogre. Sachant que le Mizutsune, on l'a fait en boucle en démo, je pense que je vais d'abord faire le Zinogre. Même si on va quand même faire le Mizutsune après, je pense. Somme d'accent de Kezu, on a déjà fait. Il n'y a pas de monstre qu'on n'a pas fait après. Donc on va faire le Zinogre. Et ensuite, on fera le Mizutsune. Puis on fera la quête urgente. On va composer un dango, voir si on peut changer. Alors, augmente parfois le nombre que vous pouvez dépecer. Non. Ça, c'est bien pour farmer éventuellement. Utilisez votre arme plus vite. Ça, c'est. Au minimum, c'est pas mal. Dango entraîneur, c'est quand même bien. Mais je crois qu'en fait, je suis en train de composer le même dango que d'habitude. C'est juste qu'il y a Dango d'épaisseur. On va le changer peut-être un peu. Genre, commander un Dango. On va mettre. Donc, Dango entraîneur. Dango forgeron. Et après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Défenseur, ça peut être pas mal. Après, il y a Magna rugissant, quoi. Je sais pas trop. Augmente l'attaque au début. L'attaque à défense au début des quêtes. Bon, on va tester ça. Et on va regarder la petite animation. Parce qu'on l'a pas vue aujourd'hui. Elle est cool. Ils ont l'air trop bons en vrai. Attendez, j'embête un pote sur Discord. Hop là. Eh bien, c'est parti. Le Zinogre. Ah, je pense. Ah, mine de rien, il y en a beaucoup que j'aime bien maintenant. Mais de bas. Enfin, comme ça, là, je pense que le Zinogre, c'est mon deuxième monstre préféré de la licence. Sachant que le premier, mais genre vraiment, mon monstre préféré, alors qu'il est casse-couille, c'est le Tigrex, quoi.
Seigneur de la foudre, le Xinogre. Ou Jinuga, pour les plus intimes. Le Xinogre. Alors Xinogre, qui est un monstre un peu particulier, enfin un peu particulier, un peu chiant pour moi. Parce que c'est littéralement un bodybuilder sur pattes, dans le sens où il a un gros corps musclé, mais il possède une toute petite tête, ce qui le rend bien chiant. Du moins Aston. Donc faudra qu'on fasse gaffe. Je profite pour récolter des herbes et tout, parce que ça va m'aider par la suite. Alors est-ce que... Je peux faire... Attendez. Je sais pas si ça va suffire. Ah si, c'est bon. Requête complétée. Ah, le Xinogre. Putain, qu'est-ce que tu m'as manqué, frérot. Oula, je suis stun, what the fuck. Déjà? Oula, 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 attends, laisse-moi tranquille. J'ai mal anticipé. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il tape une fois après. Et après, c'est trois fois quand il est chargé. Oh, par contre, t'arrêtes d'enchaîner ça à un moment donné. Ouh, il stun. Il stun beaucoup, hein. C'est comme le tétranodon, un coup ou deux, c'est bon. Hein. Son thème, il est incroyable. Le stun. C'était obligé qu'il soit dans cet opus, lui. C'était obligé. On va leur mettre le scarab truc après. Là, il y a le puke puke, donc il y a moyen que je puisse chaucher puke puke et mettre au sol notre copain Xinogre.
Voilà, qu'est-ce que je disais? Oula, 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 oula. Ah, carrément. Carrément. Ah, il a esquivé. Ah, il se recharge après un petit coup comme ça. Trop bien. Ils l'ont changé un peu, ça c'est cool. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là, qu'est-ce que t'es beau. Ah ouais. Ou du cam, du cam, du cam, du cam, du cam. Calmos. Ah non, à côté. Oh, Shoryuken. Il m'a fait un Shoryuken. Ah oui, oublie pas que je suis quand même là pour te chasser, hein, mon grand. On rigole pas ici. Hein. Je veux dire, t'as des nouveaux moves, c'est cool, mais je te connais quand même un minimum. Hein. Et là, tu fatigues, là. Ça a des muscles, mais ça consomme, hein, mine de rien. Hein. Allez, saute. Non, il veut pas sauter. T'es fatigué. Nickel. Oh, il est incroyable, vraiment. Vraiment, j'ai hâte de le confronter en haut rang parce qu'il est vraiment trop bien. Ah, là on touche au monstre intéressant, quoi. Là, ça devient intéressant, les gars. Là... Là, ça devient intéressant. Donc là, on va faire le Mizutsune. On va déjà regarder, du coup, c'est quoi la quête urgente. Peut-être que c'est le Tigrex du coup. Après c'est 6 étoiles. 6 étoiles, est-ce qu'on... Ah, je sais pas. On va voir, on va voir. J'ai du nouveau pour toi. Un almudron a été repéré près des temples oubliés. Il quitte rarement les montagnes. C'est encore la... Il quitte rarement les montagnes. C'est encore la calamité. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas lui permettre d'approcher Kamura. Nous devons l'arrêter maintenant. En tant que chasseuse de Kamura, c'est à toi qui revient d'éliminer ce monstre. Donc c'est pas le T-Rex, c'est...
L'almudron. Corde de chasse herbe. Ok. Est-ce qu'il y a des PNJ qui veulent me parler? Non, à part Inoa, non, il n'y a personne. On va juste voir à quoi ressemble cette fameuse flûte, là. Corde de chasse. Flûte d'herbe. Ah, c'est une flûte. Trop bien. Ah, putain, attendez, excusez-moi. Elle est trop bien. Elle est explosion, en plus. Et en vrai, elle est pas dégueu. Hein. Elle a un tranchant nul à chier, mais putain. Pourquoi pas, hein. D'ailleurs, j'en suis où moi sur les armes? Magna Malo. Je peux pas l'améliorer pour le moment. Je s'attendais à une quête urgente vient d'arriver. Cette fois, c'est un Almudron. Un Almudron. Ce monstre adore la gadoue et n'hésite pas à s'en servir. Mais je sais que tu n'as pas peur de te salir les mains. Alors va et gagne ce combat debout. Almudron. On va le faire après. D'abord, on va aller faire le Mizutsune. Du coup, on avait fait quoi? Yo, Alex! Comment il va, Alex? Comment est-ce qu'il va, Alex? Bah écoute, oui, hein. On se réveille tranquillement. Alors, j'ai pas passé la meilleure nuit du monde, mais en vrai, ça va. Ça va, ça va. J'ai pas à me plaindre. Allez, un Mizutsune, comme ça, ça change pas de la démo, MDR. Et ensuite, on va aller faire cet Almudron. Ça va le lapin? Oui. Donc ouais, du coup, quand j'aurai fini le jeu, je vous ferai en live, je mettrai la Coco Cam pour avoir le lapin. Danseur ensorcelant. Eh oui. Le Mizutsune. Alors qu'on fait pas parce que... on l'a jamais fait, mais parce que... Enfin, parce qu'on l'a pas fait sur le jeu officiel. On avait fait sur la démo, certes. Mais voilà, on se serait gâché la cinématique. Je veux faire tous les monstres durant ce live play, donc... D'ailleurs, ça sera le live play express. Le live play le plus rapide de la chaîne, parce que... Bah, il y a deux VOD qui sortent par jour. Ah. Comment on fait? Il est où l'oiseau? Brindy corbeau joie obtenu. Plus de récompenses en vue. Ah. Ah, ils ont retiré cette fameuse légende où tu caressais le Pouggy. Soi-disant, ça augmentait tes chances de choper des... des récompenses. Mais oui, tu spammes les vidéos, ça mitraille. Bah ouais, comme ça, le live play il sort rapidement. Et après, moi, je peux me concentrer surtout sur les vraies vidéos Monster Hunter sur la chaîne FGC. Et puis, ouais, je profite que le jeu vient de sortir pour mitrailler comme je peux en VOD, hein, après tout. Et ça m'évite d'avoir, après, comme Death Stranding, un mois de retard.
Tu vas commencer par te calmer. Mais... Eh, tu commences pas, hein. Oh, qu'est-ce que j'ai dit, là? Oh, je vais mourir. Je vais mûrir. Comment tu peux tuer le Zinogre sans problème et juste après mourir sur le Mizutsune que t'as farmé pendant je sais pas combien de temps sur la démo, quoi. Après, je veux pas te dire, mais genre, c'est une connasse, hein. Genre... Je déteste le Mizutsune, c'est un monstre horrible à René. Pire monstre du monde. Incalculable. Des hitbox à la con. Surtout, elle bouge tout le temps, quoi. Ah, elle bouge maintenant. Bon, ça va. Elle va voir le Zinogre. Tant mieux pour moi. Ça va pouvoir la rect. On va voir le Zinogre. Mais non! Mais fous-moi la paix, mais c'est abusé! Hop. Cassez-vous la gueule. Donc, sur le Zinogre, pouf. Comme ça, moi, je chope le Zinogre direct. Voilà. Ça, quel plaisir. Ah, ça touche pas. Ça touche pas. Hop, elle tombe. Ah, quand ça t'emmerde pas en début du combat, on fait moi la maline, hein. Ah, deux fois que j'essaye de la toucher comme ça, deux fois que j'arrive pas. Hein. Et oui, je passe à travers, moi je m'en bats les couilles.
Fallait juste que je sois moins rouillé, c'est tout. Reviens. Je le prie. Pour le chien. Attendez, il y a du stuff à aller chercher là-bas. Oh, Elzinogre. C'est son nom, c'est Elzinogre. Ouais. T'as pas marre de faire des bulles? Allez-y, Nogre. C'est son nom maintenant. Ouais. Bon, à part une mort complètement conne au début, le reste, ça va quoi. En gros, si tu joues un minimum. Si tu sais jouer un minimum, voilà, ça passe. Ça va le lapin? Oui. Bon, attendons juste la fin de la quête, je vais juste vite fait faire un truc, même pour 2 secondes. Elle a bouffé son tapis, la conne. Arrête de bouffer ton tapis. Il est con, ce lapin. Qui est con, ce lapin? Alors, est-ce qu'on a débloqué des trucs? D'ailleurs, on va aller à l'aire d'entraînement. Est-ce qu'on a débloqué des nouveaux talents de substitution? Non. Toujours pas. Toujours pas. On attend de pouvoir débloquer le dernier talent de substitution, mais pour le moment ça vient pas. Hein. Je pourrais créer du coup cette corne Mizutsune O. Ce qui pourrait être intéressant par la suite de faire une corne Mizutsune si on veut tuer le Magna Malo en haut rang. Là j'utilise quoi comme corne? J'utilise la corne du coup du Magna Malo. Et je peux pas améliorer la corne dans l'immédiat. Elle fait 120. Est-ce que je peux l'améliorer avec un truc calamité d'ailleurs? Oui, attaque. Soit je fais bonus d'explosion, soit je fais attaque. Âme Magna Malo. Augmente l'attaque lorsque vous souffrez du fléau feu de l'enfer. Allez. Bon, bah on se fait l'almudron du coup. On va voir à quoi ça ressemble. On va voir à quoi ça ressemble. Ah, et l'explosion, ouais, c'est... C'est une valeur sûre.
C'est une valeur sûre. Donc quand le monstre, quand le flag monster du jeu te donne une arme de type explosion, je peux te dire que je suis heureux. C'est une affliction franchement très sympa. Oui, exactement. Ermite du marais. Très bien. Très bien, très bien. Il me semble que de tous les monstres présentés, il me manque que lui. Ah non, il manque l'Arachnakadaki aussi, qu'on n'a pas vu. Arachnakadaki, qu'on n'a pas vu encore. Mais Somnacant, Bichaten, Acnosom, Grand Izushi, ça on a fait. Je sais plus ce qu'il y a là de tête. C'est déjà pas mal, hein. Et ensuite, bah, fin avril, Caméléos, Rathalos. Rathalos Apex, du coup. Et puis un autre monstre qu'on sait pas encore. Ah, je pensais. Oh, qu'il est beau! Wow. Oh, oh, oh. On va se calmer, hein. Ça fait combien de monstres du coup? Je crois qu'il y a 35 monstres dans le jeu là. On comptera combien on a de monstres jusqu'à maintenant déjà après si vous voulez. Moi j'avais lu comme quoi il y aurait 35 monstres dans l'opus final. Enfin, dans cet opus-là. Mais ça se trouve, je me trompe. On va compter après. Oh putain, il met des plateformes. Oula, 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 oula. Eh, oh, oh, oh. Notre paire de manches, ça. Je sais même pas s'il a pris les dégâts du coup. On va compter après le nombre de monstres qu'on a fait jusqu'à maintenant. Sachant qu'on est en novice, hein, donc il y a des monstres qu'on verra aussi que en haut rang, il me semble. Et qu'on a du coup pas encore vu et qu'on verra peut-être pas sur les quêtes solo du moins. Enfin des quêtes du village. Bon, les quêtes du grand camp pourra aussi les faire tout seul, pas trop un problème. Hop, voilà, comme ça on monte sur le Kuluyaku.
J'aime bien cette strat là parce que le fait de faire tomber le monstre, ça le... Bah ça dure pas très longtemps. Merde, je l'ai juste jeté dessus. Ah, je suis trop con. Beau bordel ça. Laissez-moi ramasser les trucs là par terre. Ok, il se barre. Donc juste après la quête, on compte. Wow. Oh non, j'ai pas touché. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Il crée des geysers. Des geysers de boue. Oula, 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 c'est difficile à suivre quand tu connais pas. Oh! Ah, j'ai pas touché. Oh. Oh la vache. Plus mastoc que les autres, lui. Hein. Je vous le dis. Hein. Ah, il est parti voir le Bichaten. Bichaten qu'on va pouvoir chevaucher du coup pour bolosser l'almidron. Ouais, c'est le Gératodis qu'on aurait dû avoir sur World, j'avoue. De toute façon, je sais pas pourquoi ils insistent à chaque fois avec le Gératodis et le Lavasios, alors que ils savent très bien qu'ils sont pas appréciés du jeu, quoi. Je suis officiellement dans le high rank. Ah, GG. Ah merde, ça m'a mis à côté du coup. Bas.
Ah. À chaque fois il est stun mais du mauvais côté. Ah, ça dégoûte. Encore, tu vois, et encore le Béotodus c'est quand même un peu plus intéressant quand même. C'est pas qu'une sardine qui donnait des coups de queue quoi. Il avait vraiment des coups vraiment cool, tu vois. Non mais l'Avasios et Gyarados c'était une horreur, c'est vraiment des monstres pas intéressants. Après je dis pas qu'il en faut pas, hein. Il en faut des monstres pas intéressants, mais là en l'occurrence c'est vraiment pas intéressant. Ouh putain il me démonte. Oh il s'est fait... Il y avait une grosse boule. Il y a une grosse boule sur sa queue. What? Il y a une boule de boue sur sa queue. Ah. J'aime beaucoup l'almidron. Alors l'almidron, ouais, il a une bonne gueule, j'aime bien. Mais par contre, ouais, ses moves, ses patterns, c'est Mizutsune sur 20, quoi. Du coup, enfin, Mizutsune sur 20 dans le sens où c'est difficile à lire tant que tu l'as pas affronté un petit peu, quoi. Sinon, ouais, c'est... Un peu indigeste en effet. Hop là. Mais vraiment cool. Et là pour le coup, tous les nouveaux monstres sont intéressants. Que ce soit, bon, le grand Izushi, bon voilà, hein, c'est le grand Jagras de l'Opus, donc forcément voilà. Mais il reste sympa. Mais en dehors de ça, ils sont tous cool quoi. Bichaten, Somnacanthe, Salmudron, Acnosum. L'Arachnac Kadaki, je sais pas encore, on l'a pas fait. Il a pas de SNS là, le Mudron? Ah, dommage. Faut que j'aille voir s'il a une corne d'ailleurs. Parce que d'ailleurs, on a tué Mizutsune, Zinogre et là, Almudron, mais on a pas regardé du coup les armures, voir ce que ça donnait. Même si on va pas forcément les faire. Au moins juste regarder quoi. Donc là, jusqu'à 11h45, midi, je stream. Ensuite, je stopperai. Je vais peut-être stream aussi. Enfin, après, je vais stream vers 1h, je pense, après manger. Je restreamerai jusqu'à à peu près 16h. Et à 16h, je ferai une pause d'au moins 1 heure ou 2 pour nettoyer la cage du lapin, la faire se gambader un peu parce que là, elle est dans son enclos. Enfin nettoyer la cage, l'enclos du lapin, la faire gambader un peu dans le salon et tout, et lire aussi un peu One Piece. Les quêtes 6 étoiles pour toi, va la voir. Avant que tu ne partes, as-tu essayé quelques quêtes de Hojo et de Minoto au grand camp? Elles sont un peu plus difficiles, mais tu n'as pas froid aux yeux, n'est-ce pas? J'espère que ton ambition est à la hauteur de tes talents, va et que la réussite soit avec toi. Ok. Voilà, plein de gens qui veulent me parler là. Et moi j'y go d'ailleurs, à toutes. Bah bon courage Guilhem et à la prochaine. Bon courage pour le taf. Bon courage et à la prochaine. Je vais te parler d'une idée que j'ai eue. Prends une photo d'une ibouette. Oui, il a d'autres choses. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Faire monter un Chemski jusqu'au niveau 15. Bah ça c'est fait. Maître dresseur, requête complétée. Ça c'est fait. Ensuite, place pipoil. Ah, Yori veut nous parler. Tu as réussi toutes les quêtes les unes après les autres, c'est fou Pinky So. Je réfléchissais à un moyen de t'aider, j'ai décidé de chercher de nouveaux pipoils pour toi. Avec un pipoil de confiance à tes côtés, rien ne pourra te résister. Pense à recruter parmi les nouveaux. Allez, on va en recruter un de chaque, du coup.
Qu'est-ce qu'on a? Coton, Diablo, Graham, Maxou, Arthur, Tigrou et Poutine. Ah, bah. Ah, et Poutine, j'ai déjà un monstre, un palico qui ressemble à ça. Donc, on va prendre Tigrou. Et ensuite, on va prendre un Chelsky. Mocha, Pépette, on a Mozart, on a Zizou, Éclair et Rocky. Je prends lequel? Il y a Pedro aussi. Mocha, Pépette, Pedro, Mozart, Zizou, Éclair et Rocky. À qui est-ce qu'on prend? Sachant que je prends pour prendre, hein, c'est juste pour que les envoyer après en mission. Tout ça, c'est pas ceux que je vais utiliser principalement, mais... Mais voilà. En vrai, je sais pas. Je sais pas, ils sont tous cool. T'as une idée, Alex? Le lapin. Oui. Rocky Balboa. Allez Rocky. Vendu. Incroyable. C'est bien qu'on les voit traîner un peu sur la place. Voilà, genre là on en voit un. On en voit un là. On les voit pas tous traîner. Si par là. Ah, j'avais jamais vu ça. Schéma pour une arme de pile poil obtenue. Ok. On va profiter pour renvoyer nos animaux en chasse. Yozias. Comment il va? Comment il va, mon cher Yozias? Bah écoute, ouais, on est là. Hein. Donc ça c'est fait, il faut qu'on aille parler à Rondine. Les spécialités de la région sont uniques, je pense qu'on n'aurait aucun mal à les exporter. Si tu m'en apportes, je te proposerai quelque chose de très spécial en échange. Ok, c'est encore pour le sous-marin et tout ça. Ça, les améliorations de sous-marin, je les ferai en off ou plus tard. C'est pas ce que j'ai envie de faire tout de suite. Négociation. Très relaxé. Alors, bon, on récupère masse de miel parce qu'on va en avoir besoin, vraiment. Et quand on va améliorer le sous-marin, je pourrais faire des recherches d'herbes et tout, faire un max de popo. Et autres. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut me parler au grand camp. Est-ce que c'est... Oh non, c'est pas lui, dommage. Je voulais qu'il me débloque les derniers talents de substitution. Il est nouveau pour ma cliente préférée. Vas-y, qu'est-ce que t'as à me vendre? Ah, amulette de force, amulette de défense. Du coup, c'est quoi l'artisanat du coup? Ah, j'ai pas encore débloqué le truc pour la mulette de force et la mulette de défense. Ok. Bon, au moins on l'a quoi. Putain, ça m'a ruiné du coup, j'ai plus de thunes, c'est ça? Ah putain, j'avais plus de 100 000 là, je suis passé à 53 000 quoi.
En plus, il faudra que du coup, je redépense au moins autant pour racheter une amulette après. Et moi qui avais mis un réveil de... à 9h30 pour le stream. Bah, il s'est lancé à 10h, hein, le stream, du coup. Mais j'ai eu du mal à me lever ce matin, vraiment. J'ai eu du mal à me lever ce matin, mais j'ai lancé le stream vers 10h, du coup. Mais vous inquiétez pas, je vais streamer quasi toute la journée, là. C'est une journée un peu off, là, aujourd'hui. Vous inquiétez pas. Bon. Qu'est-ce que ça à me dire? Grâce à toi, on a évité la douche froide. D'ailleurs, en parlant de ça, une douche ne te ferait pas de mal. Tu sais que l'ancien te l'a déjà dit, mais c'est mon devoir de te le répéter. Tu as débloqué les 4-6 étoiles. Il y a tellement de quêtes parfaites pour un guerrier de ta trempe. Tant de monstres qui t'attendent. Avant ou après la douche. Moi, j'ai une commande de Dango à recevoir. Pour toi, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à la liste des quêtes avant de commencer à m'empiffrer? Test de permis spécial. Bon, ça, on pourra le faire par la suite, mais on va pas envie de le faire maintenant. Donc, les quêtes 5 étoiles, est-ce qu'il y a des monstres qu'on n'a pas fait encore? Il me semble que non, on les a tous fait. Il faudra juste faire les quêtes secondaires après. C'est pareil pour ici, on a fait tous les monstres qu'on n'avait pas fait. Et du coup, là, on a l'Almudron, le Gossarag. Alors là, le Gossarag, les gars. C'est peut-être le monstre qui me hype le plus pour le moment. Oh, le Tigrex. My boy. Oh, my boy. Désir tordu, Diablos. Ah là 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 là. My boy. On va compter les monstres qu'on a débloqués jusqu'à maintenant. Compendium. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 monstres pour le moment. Donc voilà. Si c'est bien à peu près 35 monstres pour Rise, il nous manque à peu près une dizaine de monstres. Un petit peu moins d'une dizaine de monstres. Elle est pas tilt, mais elle est jolie, l'intendante. Et tu sais quoi? Le pire, c'est qu'elles sont jumelles. Donc il y en a deux. Alors, armure Almudron, voyons voir. Oh, l'armure est trop cool! Morphose rapide. Alors, augmente la vitesse de morphose et la puissance des morpho-haches et des volto-haches. Ah, ça c'est bien! Empêche l'émoussement de l'arme. Ah, samouraï, ça empêche l'émoussement de l'arme maintenant. Prolonge la durée d'invincibilité en cas d'évasion. Puissance absolue, ok. Elle est trop bien! Donc l'armure Zinog, du coup, force latente comme d'hab, augmente temporairement l'affinité et réduit la perte d'endurance dans certaines conditions. Alors je sais plus c'est quand ça s'active, mais je crois que c'est après une esquive ou un truc comme ça. Le chat mecha. Ouais, non, mais j'avoue. Ensuite, on a maître d'armes et athlète. Bon, ça c'est pas mal, mine de rien. Alors qu'est-ce qui donne quoi par contre? Maître d'armes là, ok. C'est sur les deux trucs. Donc Rathalos, on avait déjà vu techniquement. Mizutsune. On a Maelstrom, donc augmente la puissance des attaques élémentaires. Oh. Ébullition. Octroie une chance prédéfinie, consommer une nourriture ou un breuvage gratuitement. Ok. Dis-moi, je baille. Anjanas. Mine de rien, Anjanas, en vrai, c'est pas mal. Machine de guerre, marathonien, cogneur. Moi, j'aime bien l'armure Anjanas, en vrai. Donc, Shaman, Voyante, ça, c'est justement, c'est les armures d'Inoa et Minoto. Méduse. Peau de tétranodon. What? Destruction massive, augmente les dégâts explosifs. Destructeur, bénédiction. Ok. Roper ça. Ok. Et après, voilà. À la mage et mage rise, c'est fin avril, donc on a le temps. Hein. C'est prévu fin avril. Hein. Enfin, il me semble. Hein. Attendez, je vais revoir la roadmap. Je l'avais mis, la roadmap, il me semble. Je l'ai pas sous les yeux.
Ouais, je vois pas la roadmap. Available from the end of April. Ouais, c'est ça. Ça va nous débloquer hein, le cap donc du des rangs des high rank enfin unlocked le level de haut rang qu'on pourra débloquer. Enfin, on pourra aller plus haut quoi en termes de haut rang. Et ça, il y a au moins deux monstres. Donc Camelos et Rathalos Apex du coup. Et apparemment, il y aurait peut-être un troisième monstre, au moins. À voir comment ça va vraiment. La coupe de Méduse, ouais, j'avoue. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? Étant donné qu'on a déjà. Attendez, je regarde juste un truc. Je sais pas si on se fait une autre armure, on a déjà une armure de ce rang là. C'est vrai que l'armure Almudron elle est vraiment cool. Elle est cool mais c'est pour les morphos et tout ça. Du coup Mas il la fera peut-être en vrai je pense. Mais moi je vois pas l'intérêt d'utiliser morphose rapide, sachant que c'est sur quoi? C'est sur... Bah c'est sur les parties d'armure les plus cool en vrai, genre la tête et... Dommage. Mais écoutez, on va avancer, je pense. C'est vrai que je fais pas beaucoup de quêtes de calamité pour le moment, mais... Bah allez, on va faire le Ghost Arag. Et je pense que on fait le Ghost Arag, on regarde le stuff qu'il donne. On arrive à le tuer. Et ensuite, Désolé, je baille. Et ensuite, on voit si on voit donc l'arme, l'armure, les talents de l'armure, et on voit si on le farm. On va faire donc entraîneur comme d'hab, forgeron comme d'hab parce que j'aime bien. Et ensuite, c'était... Ah oui, on avait fait ça aussi. Allez, petite animation de Dango, et ensuite on fait le Gossarag. Ah ah! Trop bien. Alors, Ghost Arag, Ghost Arag, Ghost Arag. On va... garder ça... Ok, bah écoutez, on y va. Et le stream de ce soir, c'est du multijoueur avec Mas, s'il veut bien. Multijoueur avec Mas, et ça va être trop cool. Vraiment le monstre qui me hype le plus. Ah.
De troller Alex, en plus il va commencer de... il va commencer à restream bientôt. Et qui masse bah, qui c'est. Le déchiqueteur. Ah, il est vraiment cool, putain. Ce design incroyable. Vraiment, j'adore. Pour le moment, c'est mon monstre préféré. Vraiment. Ils ont vraiment fait un travail de fou. Hein. Gossarag, incroyable. Là, il y a un délire Sekiro dans son design, là. Ah ouais, non, mais tout est génial. Je crois que j'ai juste vu le design du marteau de Gossarag. C'est littéralement un, ce qu'on appelle un club, c'est-à-dire que c'est un... Comment on appelle ça? C'est comme une batte de baseball, enfin pas comme une batte de baseball, mais comme un gros morceau de bois, genre de homme de la préhistoire, mais gelé, quoi. C'est ça, c'est juste ça, mais du coup c'est assez vénère pour que ce soit stylé. Alors je vais juste au moins faire cette musique là avant. D'habitude je le fais pas mais... Allez. On va voir à quoi ça ressemble. Wouah! Ah ouais, si t'esquives pas là, t'es mort. Hein. Je suis un peu timide sur les coups parce que j'apprends un peu le monstre. Et là il est pas énervé hein. Je pense que quand il va s'énerver il va être beaucoup plus rapide. Ah là il y a moins que je le fasse tomber. Voilà. Merde. Ok, là il est vénère. Ah putain, il a vu qu'il m'a glacé, mes phyloptères, il se recharge en 1000 ans. Ok, je peux le chevaucher, je vais juste aiguiser d'abord. Ah, le combat est cool. Vraiment, le combat est cool. J'aime bien ses moves. On devrait pas avoir trop de mal à le tuer, je pense, parce que ça reste du novice, du rang novice. Mais en vrai, c'est cool, hein. On peut pas le balancer dans le vide. Non, on peut pas. Ça craint, par contre. Je le stun, oui. Après, faut pas oublier aussi que la corne s'est complètement pété maintenant, donc il y a des frames d'invulnérabilité sur un coup de phyloptère, un coup de la corne si tu prends le bon talent de substitution, donc c'est devenu cracasse. Oh, double arme gelée. Mon chien.
Ah, il y a le tétranodon là. On va l'amener jusqu'au tétranodon. Ah non, il se barre, dommage. Oh là. Ah, trop tôt. Oh non, sérieux? L'empoisonnement là, c'était sérieux là? J'ai rien demandé à personne moi. Il dirait mon bras de con là. Waouh. Ah, ça touche pas. Il se rebarre encore, décidément. On va réaiguiser quand même au cas où. Hein. Oh, il bouffe un Anteka. Saloperie! On mange pas les Anteka! Ok, il est vénère. J'ai essayé, j'ai quand même esquivé au cas où. Wouhou! J'ai eu le bon timing, j'ai eu de la chance. Oh, il est trop cool à battre en plus. Il est excellent. J'ai hâte de voir s'il a des nouveaux moves en haut rang, parce que souvent c'est le cas. Putain, qu'est-ce que... Waouh. Wouhou, trop bien. J'ai vraiment... En fait, tous les monstres que j'ai fait jusqu'à maintenant sont pas trop compliqués, je dois vous avouer. Je les ai tous first try, il me semble. J'ai pas échoué de quête, je suis peut-être mort une fois, par-ci par-là. Mais je dois avouer que je suis très curieux de voir à quoi ça va ressembler en haut rang. Parce que merde. On est encore en novice là donc. Et le novice, j'ai l'impression que ça comprend tout. Vraiment la quasi-totalité des quêtes du village. Et que en fait le haut rang c'est que en guild du coup. Il me semble d'ailleurs que c'est The Ice ou je sais plus qui l'avait dit. Ça me semblait étonnant, mais il paraît que si, c'est comme ça. Comme ça, t'as pas à refaire les monstres dans le village. Enfin, t'as pas à refaire les quêtes du village. Et du coup, techniquement tout seul, t'es pas obligé de refaire les mêmes monstres. Et tu fais vraiment tous les monstres en solo, en novice. Et ensuite, tu fais donc le novice vite fait en quête de grand camp. Et ensuite, tu passes au high rank... Et eh bien dans le grand camp, et du coup là tu peux t'amuser à faire plus de monstres, à refaire les stuff que tu veux.
Et je suppose que du coup c'est plus difficile. Et j'espère quand même que c'est plus difficile, que ça demande quand même un peu plus de. Un petit peu plus de compétences, puisque là c'est assez simple. Et encore une fois, je sais pas si c'est simple parce que l'arme est vraiment pétée ou parce que c'est simple. Hein. Ok. Alors on va aller voir le stuff et ensuite on va s'arrêter là, je pense. Parce que peut-être qu'on le refait si le stuff est cool, on peut le refaire encore une fois. Voyons voir le stuff. En vrai, en plus, la tronche du stuff est stylée, je trouve. C'est pas incroyable. Le stuff du mec, enfin du personnage masculin était plus classe, je trouve. Même si là, il a quand même la classe. Et en termes de talent, qu'est-ce que ça donne du coup? Témérité, augmente l'attaque et affinité lorsque les monstres sont enragés. Ça, c'est cool. Alors sur World, c'était pété parce que tu pouvais l'enrager direct. Là, c'est plus trop le cas. Dégainage éclair, augmente temporairement l'affinité après une attaque dégainée. Ça ne concerne pas les attaques plein de sang. Alors ça, c'est chiant parce que du coup, ça me sert à rien. Bateau Jutsu. Ajoute un étourdissement aux attaques dégainées. Augmente un peu l'attaque. Concerne pas les attaques plein de soi. Ça encore, c'est pas fou. Et augmente les... Ok. Je ferai peut-être pas son stuff du coup. Parce que ça me concerne pas trop. Parce que témérité, c'est pas intéressant parce qu'on n'est pas sur World et on peut pas l'énerver comme on veut. Parce que dégainage éclair, ça concerne pas la corne de chasse parce que parce que faire du temps, tu es dégainé quoi. Quand tu rengaines, c'est vraiment dans les cas où, un petit peu problématique. Et parce que bateau jutsu, c'est éthérosement sur les attaques rengainées. Vu que tu fais pas quasi pas d'attaques rengainées, ça sert pas à grand chose. Par contre, l'arme. Et là, par contre, j'espère que l'arme est cool. Donc ça, c'était l'arme qu'on avait bloquée tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'elle est, l'arme? Alors, me dis pas qu'il n'y a pas d'arme Gossarg, parce que sinon, je vais vraiment péter un câble, en fait. Tu peux pas ne pas faire une arme Gossarg. Non. Pas comme ça, Zinedine. Pas comme ça. Non. Non! Il n'y a pas de corne de chasse, Gossarag, vraiment? Vous me faites vraiment ça là? Non. Je refuse. Je refuse ça. Je vais faire une recherche Google, je m'en bats les couilles. Je veux savoir s'il y a une corne de chasse Gossarag. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je regarde. Pourquoi y a personne qui le dit s'il y a une arme ou pas? Attends. Non, non, je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire, vraiment. Attends. Déjà, est-ce qu'il y a une corne Almudron? Mais attends, attendez, peut-être que c'est lié au baron aussi. Non. Je refuse de croire ça. Je refuse de croire ça. Oh, il est stylé ce marteau. De toute façon, c'est simple pour être fixé.
Je vais pleurer. Je vais juste pleurer. Ok. Non. Elle est là. Il y a une GS ici. Non, la GS, elle est là. Il y a une GS. J'espérais qu'il n'y avait pas la GS, comme ça je pouvais éventuellement espérer qu'il y ait... Non. Non. Je peux pas... Mais je peux pas penser ça. En fait, non. Y a pas de corne Almudron et pas de corne Gossarag. C'est quoi cette arnaque? Mais je vais pleurer. Le monstre que j'attends le plus ne possède pas de corne de chasse? Vraiment? Really? Je peux pas penser ça une seule fois, les gars. Vraiment. J'espère vraiment que dans le haut rang, il y a une corne de chasse Gossarag. Vraiment. Non, parce que là, pour le moment, les gars, en fait, je vous explique. À part la lance et la GS, il y a aucune arme Gossarag, en fait. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas fait des armes Gossarag pour quasi la totalité des armes. Donc là, déjà, il y a une arme qu'on voit pas. Non. Je peux pas penser ça. Tu peux pas, sur un monstre inédit, faire que deux armes craftables. C'est-à-dire que là, littéralement, il y a que, mais vraiment que, la GS et la lance. C'est une arnaque. Je refuse de croire ça. Je vais chialer. Bon, j'ai peut-être pas le temps de faire un autre monstre, mais on va au moins voir ce qu'on va pouvoir faire après, cet après-midi. Mais j'espère vraiment que c'est en haut rang le reste. Sinon, c'est l'arnaque. Donc après, en fait, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'autres... comment dire. Il n'y a pas de quête clé, c'est-à-dire c'est les dernières quêtes du jeu, là. Enfin, les dernières quêtes solo, là, en l'occurrence. Donc, à mon avis, si vous voulez mon avis, la suite, ça se passe au grand camp. Donc, là, dans les monstres qu'on va faire en VOD, par la suite, ça va être quoi? Tigrex, on n'a pas fait encore. Diablos, on n'a pas fait encore. Et c'est tout. Donc on a juste deux monstres à faire après. Et ensuite, on peut faire les quêtes clés. Non mais je savais qu'il n'y avait pas d'autres niveaux après. Je sais que ça s'arrête à 6 étoiles. Donc, ce qui veut dire que... Attendez. Ça veut dire qu'il nous reste deux monstres et ensuite on fait les quêtes de grand camp. Enfin, les quêtes du grand camp, ouais. Donc, et ça, on avancera avec masse, quoi. Ça, on avancera avec masse ce soir. Oh, attendez. Ah, ça, c'est fait. C'est qui voulait me parler déjà? Entrée du village. C'était qui? Ah, c'était lui, pardon. Pourquoi on est en train de la faire à la MHGen? Je comprends pas, The Ice. Je comprends pas. Obtenir un prix. Ah, par contre, on va aller voir un truc aussi. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire, lui? Maintenant que t'es arrivé, la première partie de la plus sombre de Secret Kamora.
La raison pour laquelle Shayaku, l'artiste onigiri, aime autant Komitsu, la gourmande, et en fait, toi, Pinkisto, tu t'y attendais pas, hein? C'est toi qui as mené ces passionnés du riz sur le chemin de l'amour. Tout a débuté il y a bien longtemps quand tu as commencé à te dévouer corps et âme à ton entraînement. La mère de Shayaku lui a demandé de t'apporter des boulettes de riz à l'aire d'entraînement, et Komitsu l'a accompagnée parce qu'elle voulait te donner une pomme d'amour. Ils se sont trompés de route et ont fini dans le temple oublié où des monstres sont apparus. Shayaku s'est caché, apeuré au bord des larmes. Komitsu l'a pris dans ses pattes pour le réconforter. Même si Komitsu était effrayé aussi, elle a gardé le sourire et a continué à se rassurer. Ce moment. Cette fille est adorable. Depuis, Shayaku est tombée sous le charme de Komitsu et de son courage. Mais de peur, elle voit comme un garçon trop faible et préfère de ne pas lui révéler ses sentiments. Il a toujours eu peur de que tu te sentes responsable si tu savais que c'était passé. Non, si c'est pas de ta faute. J'en ai la queue qui frétille. Bref, c'est la première partie de mon information la plus juste. Lui, il est trop drôle. Bon, moi, je vais vous laisser à plus. À plus, Alex, à la prochaine. De toute façon, je vais couper, là. Je vais reprendre dans l'après-midi, après. À Gênes, il y avait arrêté les quêtes aux 6 étoiles aussi. Oui, mais c'est les quêtes de village. C'est les quêtes de village. L'intérêt de Gênes et aussi l'intérêt de Rise, c'est les quêtes de Grand Camp. Parce que, en fait, comment dire, la différence qu'il y a entre World et Rise, c'est que dans World, excepté les quêtes spéciales, d'accord, les quêtes événements, enfin, les quêtes événements, et encore, tu pouvais aussi les faire tout seul. C'est que, comment te dire, en gros, il n'y avait pas de différence entre le solo et le multijoueur dans Monster Hunter World. Il n'y avait pas de différence, c'était la même chose. Juste, tu pouvais les faire en multijoueur aussi. Sauf que là, c'est pas le cas. Tu peux pas les faire en multijoueur, les quêtes solo. Du coup, tu as une avancée solo qui est du coup exclusivement réservée au rang novice. Et ensuite, tu as le grand camp, qui est du coup vraiment la partie au-dessus. Et comme il le disait tout à l'heure, Fugen, c'est techniquement plus difficile. C'est pour ça que les parties, les quêtes du village, pour le moment, sont assez simples. Quand on va commencer les quêtes de grand camp, là, ça va être plus compliqué. Là, ça va être vraiment plus compliqué. Même en novice, ça devrait être un poil plus compliqué. Et ensuite, on pourra commencer le rang. Et là, le rang, c'est là où tout va être intéressant. Il y a sûrement une... La continuité de l'histoire qui va continuer... Enfin, ça va sûrement continuer derrière, après, l'histoire. Juste en voyant les trailers, il y a sûrement autre chose à faire. Oui, bien plus difficile, même si jamais faire one shot. Ah, bah oui, mais après, le jeu, faut quand même faire attention. Hein. Je suis mort aussi tout à l'heure sur le Mizutsude, t'inquiète. Hein. Bon. Mais je vais m'arrêter là, moi. Je vais vous dire à tout à l'heure. Et justement, on va finir du coup tout à l'heure, on va faire le Tigrex, le Diablos. Et on va commencer du coup les quêtes de Grand Camp. On pourra les faire ensemble si vous le décidez, si vous avez envie. Si vous avez toujours pas fait les quêtes de Grand Camp, on pourra les faire ensemble pour faire les quêtes clés, tout ça. Et puis voilà. Du coup, bisous la BOD.